Benjamin Deregard, bonjour, je suis Philippe Delage du blog Habitabule. Et dans cette vidéo, je vous parle de Benjamin. Benjamin, c'est la personne que je reçois demain. Demain, Benjamin habite Clermont-Ferrand et il est designer en casquette haut de gamme. Donc avant de vous montrer un petit peu ce que je vais faire avec Benjamin, ce qu'on va faire ensemble, Benjamin. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en dessous. Donc demain avec Benjamin, on va se servir du compresseur et de la bétonnière puisqu'on va faire de la projection. On va faire de la projection à des endroits où ça m'est difficile de le faire tout seul. Alors pour te montrer Benjamin, par exemple, comme si tu as suivi la dernière vidéo, je voudrais terminer cet espace-là rapidement. Profiter du beau temps, parce que j'ai peur qu'au mois de mars, on le paye. Hein, d'après les anciens, au mois de mars, ça va être pluvieux. Bon, ben, on verra quoi. Donc, clairement, je vais pouvoir aller projeter là en dessous, là. De ce côté-là, et puis surtout de l'autre côté, par au-dessus. D'accord? Alors par au-dessus, on va y passer. Là, ça va être difficile. Alors peut-être qu'on posera la main. Enfin, ça va être un peu galère, quoi. Ça va être un peu galère. Donc là, aujourd'hui, je vais peut-être passer un coup de soufflette pour enlever les feuilles qu'il y a de l'autre côté. Et demain, ben voilà, faudrait pouvoir accéder par le côté. Alors ça veut dire préparer les brouettes, amener le mortier jusqu'ici, et là il y en a un de ce côté, l'autre il est de l'autre côté, il vient avec la boîte chercher le mélange, et puis il va le projeter là-bas, derrière là-bas au fond. Ou alors, bah, on le prend et puis on va le poser à la main, c'est ce qui sera certainement le plus simple, et puis on essaiera de projeter tout ça là. Toute cette partie là pour monter petit à petit quoi. Là aujourd'hui moi je vais essayer de poser quelques panneaux de coffrage perdu et puis préparer un petit peu le chantier pour demain quoi. Donc Benjamin il va venir à partir de 9h, 9-10h. Bon il vient de Clermont-Ferrand donc tu viens alors que tu peux Benjamin. Je pense à amener des chaussures de sécurité, une casquette. Il fait chaud et puis un sandwich où on ira manger un truc, on verra quoi, on verra. Voilà, donc pour l'instant le coffrage perdu que j'ai c'est du Nergalto. J'aimerais bien avoir du Stucanet mais j'attends un petit peu de rentrer quelques fonds monétaires parce qu'une maison bulle ben ça coûte pas très cher en matériaux mais faut quand même en acheter. Ça coûte beaucoup plus cher en manœuvre. C'est très long, mais les matériaux, bah, faut quand même avoir un petit peu d'argent aussi pour les acheter, quoi. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, c'est tout, hein. Je vais faire mon live tout à l'heure, là. Un live Facebook. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, bah, comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le petit bouton j'aime ou le petit pouce bleu, suivant si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Vous pouvez bien sûr la partager avec vos amis et puis surtout, 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 vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner à votre droite, puis sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Je fais mon webinaire. Non, non, je fais pas encore de webinaire, mais je fais un petit Facebook Live dans 3 quarts d'heure. Donc, je vais préparer un petit peu le chantier en attendant. À bientôt, ciao!